ce dimanche 10 mars. La station météorologique de Vapoa prévit des averses générales, accompagnées des orages, les ensoufflés du sud, et une vitesse de 10 km à l'heure. Elle revient sur son parti. Elle revient sur son parti. Eliane, corrigez-moi, vous avez bien 85 ans ou 105 ans? Vous avez bien 85 ans ou 105 ans? 105 ans peut-être. C'est peut-être? 88. Ah d'accord. Pas 88, c'est 105 ans. 105 ans? Oui. Et... parce que l'âge a bien passé. Et comment vous faites pour rester en forme? Pardon? Comment vous êtes toujours en forme? Ah ben, la grâce de Dieu. C'est seulement ça? Oui. J'ai pas eu de soucis, je suis pas mariée. Et c'est ça le conseil que vous donnez à tout le monde? Pardon? C'est ça le conseil que vous donnez à tout le monde, de ne jamais se marier? Non. Oui. Oui, comme vous en voyez. C'est bon, non? C'est pas gentil vis-à-vis des hommes, hein? Oui. Et vous êtes fière d'être mauricienne? Oui, très fière. Je suis mauricienne de naissance, alors je suis très fière. Oui, je suis fière d'être mauricienne, que je suis encore en vie. Née à Maurice, grandi à Maurice, vous voyez. Toutes mes parents sont de Mauriciens. Et puis ça non s'ensemble, j'ai l'autre pas ici, l'autre pas là-bas, l'autre pas aussi dans les autres pays, vous voyez. La guerre avant l'indépendance, ça vous dit quelque chose? Oui. C'est bien longtemps, je ne me rappelle plus, vous savez. Tu ne m'as pas fait aider dans l'armée, c'est bien, bien longtemps. C'était encore très jeune. Bon, il a été dans l'armée. Il était dans la guerre, il était blessé. Et puis il nous a fait savoir, il nous a envoyé des lettres pour savoir qu'il était blessé. Et puis ça, il est resté le premier temps après, je ne sais pas. Et puis ça, il est retourné à Maurice. Et vous faisiez quoi à l'époque? Vous travailliez comme quoi? Pardon? Vous travailliez comme quoi à l'époque? Qu'est-ce que vous faisiez à l'époque? Ben, je ne sais pas, j'ai travaillé dans la famille, occupé des enfants. Ils avaient ma nièce qui travaillait, alors je m'occupe de son enfant pendant son absence. Oh, vous étiez nounou? Oui. Vous étiez nounou? Oui. J'étais encore jeune en ce moment-là. J'ai tout mon courage, toute ma force, toute ma connaissance. Mais après tout, c'est tombé. Je suis vieillie maintenant. L'âge est entré. Vous voyez? Voilà. Voilà, aujourd'hui, je suis là. Voilà, ça, c'est ma nièce, la fille de mon frère qui est partie. Il est mort, mon frère. C'est ça, sa fille. Ça, c'est sa fille. Elle, c'est elle qui s'occupe de moi maintenant. Vous voyez? Il remplace que mon frère qui est mort, alors c'est elle qui s'occupe moins de moi. Vous appelez Eliane, mais comment vos neveux et nièces vous appellent? On m'appelle ma tante Baba. Vous avez vécu aussi l'époque coloniale? Oui, j'avais mon frère qui est parti dans la guerre. Oui, et puis ça, il est retourné après, vous voyez. Les choses ont changé. Ah ben, c'est pas pareil. Mais si là, je suis là, avant, je n'étais pas là, j'étais jeune, voyez. J'étais jeune, j'ai des amis, promener, tout ça. Ah ben maintenant, je suis une vieille bonne femme. Maintenant, qu'est-ce que j'attends? J'attends le grand jour. Ah ben ça, je ne sais pas. Ça, c'est la volonté. Ce qui est ta volonté, c'est ça sa volonté. Si là, demain, si maintenant vous partez, vous retournez, je ne suis plus là. Voyez? Ça, c'est sa volonté. De ce côté-là, je ne peux rien faire, moi. J'attends sa volonté. S'il veut que demain, que comme vous partez 5 minutes après, je ne suis plus là. Ben, c'est fini. C'est la volonté du grand Dieu. Vous voulez partir, vous? Partir? Oui. Où ça? Elle rejoint ceux qui sont partis. Je vais aller rejoindre ceux qui sont partis. C'est qui votre chanteuse préférée? Chanteuse ou chanteur? Ah ben ça, il y a tellement. Dans mon temps, j'étais jeune, il y avait tellement des chanteurs. J'avais Luis Mariano, l'autre. Maintenant, tout ça, c'est fini. Je ne me rappelle plus le nom. Vous voyez? J'étais jeune, je connais bien tous ces chanteurs-là. Je connais tout. Ah ben aujourd'hui, c'est fini. Il n'y a plus rien. Eliane, vous avez déjà pris l'avion?
Ah oui. Vous allez où? Ah oui, mais j'ai vu, enfin, j'ai vu, je voyageais dans l'avion, non? Et j'ai parti en Angleterre. J'étais en Angleterre. Ah, j'avais des amis en Angleterre. Oui, il y avait un mariage en Angleterre. J'étais assisté le mariage d'une amie. Vous voyez? Tout ça, c'est du temps passé. Maintenant, je suis vieille. Je ne me rappelle pas. Enfin, je ne rappelle pas les choses. Ah ben, j'étais en Angleterre, voir des amis. Il y avait un mariage. J'ai assisté à un mariage en Angleterre. J'ai dit très bien. Je suis restée là-bas loin, assez longtemps. En retournant, j'ai eu des cadeaux. On m'a donné un chapeau pour cadeau. Vous voyez? Tout ça. Papa est parti dans la guerre. Il est parti depuis la guerre. Il est parti. Je ne me rappelle pas quand il est retourné. Mais il est parti. Il est parti. Oui. J'avais ma mère. J'habitais avec ma mère et mon frère. Mon frère, ils sont morts maintenant. Mon frère est mort, ma mère aussi est mort. Mais quand il s'est parti dans la guerre, j'habitais avec ma famille, avec mon frère, avec ma mère. Vous voyez? Mais après ça, ils sont tous partis. Ils m'ont laissé là. Ah, qu'est-ce que j'attends moi aussi? J'attends moi aussi pour partir. Oh, ben, je ne suis pas pressée, mais c'est la volonté de Dieu. Oui, si le bon Dieu veut comme vous arrivez devant la porte là, vous le voyez, je suis partie. Je vais pas la guerre avec le bon Dieu.